Bonjour à tous et bienvenue à Marlenheim. Donc Marlenheim qui abrite ce grand cru Steinklotz, qui est le grand cru le plus septentrional, donc le plus au nord des grands crus alsaciens. C'est donc le point de départ ici de la route des vins qui s'étend sur 170 km dans cette direction, juste derrière vous. Nous sommes ici à Marlenheim, qui est donc à 20 km à l'ouest de Strasbourg, à une demi-heure à peu près de chez moi. Donc on commence par quelque chose de pas trop éloigné. Donc le Steinklotz, c'est une quarantaine d'hectares qui sont situés donc au nord de Marlenheim, entre la chapelle de Maltenberg à l'est et la falaise en grès qui s'appelle le Krontal, qui est située à l'ouest. Cette falaise sert actuellement de site d'escalade pour les Alsaciens. Donc Steinklotz en alsacien, ça signifie bloc de pierre, donc Stein qui ressemble à stone en anglais, c'est la pierre. En fait, on est sur un sol donc qui est un sol calcaire, qui est un sol caillouteux, qui est peu profond, qui fait à peu près 20 cm de profondeur. On est sur une altitude entre 200 et 300 mètres. On est finalement juste au-dessus du village de Marlenheim, avec une pente, comme vous pouvez le voir à peu près, donc de l'ordre de 30% environ derrière moi, ce qui fait que j'arrive à me tenir quand même assez droit. Le Steinklotz bénéficie d'une exposition en plein sud, donc là vous voyez le nord qui est derrière moi, le sud qui est derrière vous, ce qui fait que vraiment on peut capter toute la lumière. Ce bel ensoleillement va favoriser une floraison précoce des vignes et également une maturation un petit peu plus lente du raisin. L'ensemble de ces facteurs va nous donner des vins un petit peu minérales sur la finesse, mais également l'acidité, et va surtout permettre d'apporter de l'élégance à des cépages qui sont très aromatiques, que sont par exemple le Pinot Gris et le Gewürztraminer. Puisqu'on parle des cépages, donc ce sont bien sûr des cépages qu'on appelle nobles, qui sont plantés ici dans le Steinklotz. Donc on a quasiment la moitié, un petit peu moins, qui est plantée en Gewürztraminer, et ensuite on a le Pinot Gris et le Riesling qui se partagent le reste. Donc le Pinot Noir est également planté sur ces parcelles, mais comme vous le savez, le Pinot Noir n'a pas le droit pour le moment à avoir l'appellation Grand Cru d'Alsace. Néanmoins, les Pinots Noirs qui sont plantés ici donnent de très grands vins, et c'est pour ça que certaines personnes se battent pour qu'ils puissent rentrer dans l'appellation. Le Steinklotz est un grand cru qui est reconnu depuis 1992, donc il ne faisait pas partie des 25 originels à avoir l'appellation en 1983. Il a été amené bien après. Je vais vous laisser sur des images de Marlenheim, des vignes et également d'autres images que j'ai prises dans les environs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Le prochain de la série, donc ce sera sur le grand cru Altenberg de Bergbieten. Si vous avez des indications là-dessus à me donner, des adresses, des bonnes adresses, n'hésitez pas à me le dire non plus. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer cette série, à me dire si éventuellement il y a des choses que vous aimeriez en plus ou différemment. C'est toujours des critiques constructives. Et vous pouvez vous abonner en tout cas si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. We'll be right back.